Conduite par le patriarche Jonas Mukamba Kadiatanzemba, la délégation du collectif des membres de corps des métiers du football en République démocratique du Congo est venue saluer ce mercredi la nomination d'un sportif à la tête du ministère des Sports en la personne de François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo. Après un long échange avec le patron des sports congolais basé sur les diagnostics approfondis des maux qui rongent ces secteurs et qui contrecarrent son émergence en RDC, Pierre-Célestin Kabala-Mwana Mbuyi en donne l'économie. Le sport reste notre vivier. Et que lorsque l'un de l'autre accède à sa tête, nous avons les devoirs et l'obligation de le soutenir pour que le tout aille de l'avant. Nous avons travaillé pendant longtemps, comme tous les autres Congolais, à l'aboutissement, au changement dans les cadres de notre football. Nous sommes venus saluer la nomination d'un sportif à la tête du ministère avec espoir de servir d'homme ressource pour que sa présence au ministère marque un tournant décisif dans la réforme de notre sport national. Très réceptif, le ministre des Sports a vivement remercié ses hôtes. Kaboulo-Mwana Kaboulo a exprimé sa disponibilité d'accompagner cette initiative pour le réveil et un véritable essor du secteur des sports en RDC. Il convient de préciser que ce collectif, dirigé par Bat Kamangosele, regroupe en son sein les amoureux du secteur des sports, particulièrement les passionnés du football, en l'occurrence les anciens joueurs, les anciens dirigeants des clubs et les journalistes sportifs, pour ne citer que ceux-là.